Hey, tu sais ce qu'ils ont dit? Apparemment, l'eau serait potable la semaine prochaine, alors que c'est de l'eau qui vient Non, j'aime bien, c'est l'eau sera potable la semaine prochaine. Cette semaine-ci, elle est pas bonne, mais la semaine prochaine, elle sera bonne. Ne vous inquiétez pas, on va mettre des bidons de Javel dedans, ça va désintégrer oui, tout. Sans compter que la Seine, elle se déverse dans la mer. Ah, c'est dommage, je suis même pas encore Oh la merde qu'on a sorti là! Aspire l'aventurier, aspire! Et hop, 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 aventurier et aventurier, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier gaming. Nous sommes en direct aujourd'hui en compagnie du Paddock et de Guillaume. Bonsoir les gars. Ah bah t'es en direct toi, et moi je suis pas en direct, hein. Moi là au moment où je vous parle on est dimanche mais on n'est pas le 5 mai, hein. On est le 12. Comment ça le 12? Non pardon, j'ai une semaine de retard sur mes montages, t'as raison, on est le 19. Sérieux? Il est sérieux ce mec? J'ai aucune idée de quand sort cette vidéo sur ma chaîne. Vraiment aucune idée. Sinon, ceci dit, salut à tout le monde sur le live de l'aventurier qui lui est en live aujourd'hui même, le 5 mai dimanche. Jour de matinale avec Bren en ancienne à Saint-Petersleu. Alors attends, il est où actuellement l'aventurier sur le circuito? Circuito! Ma che la bella macchina! Un Toyota Tundra! On n'est pas en Italie! Ah bon? Moi je pensais. Allez, je pète l'icône! Hop là! À 3-6! Va pas trop vite pour finir ton tour, que j'ai le temps d'aller me planquir! Bah va te planquir! S'il est dans le stand, qui t'attend dans le stand. Il y a moyen qu'il me voit, je pense. Je préfère qu'il fasse un tour comme ça. Tant qu'il est occupé à conduire, il est concentré sur sa conduite. Enfin, à peu près. Autant concentré qu'un aventurier peut l'être. Voilà, hein, et puis voilà quoi. D'ailleurs, on fait un petit rappel que mercredi commence la Manufacture en Series. Toi, tu seras en live, je suppose, sur Twitch. Ouais. Paddock. Ouais. Et pour ma part, ce sera sur YouTube. Ouais, et tu peux y aller. Ok, c'est parti. Voyons un peu. Est-ce que t'as trouvé. T'aurais trouvé une masterclass ou. J'en ai trouvé plusieurs. J'en ai trouvé plusieurs des masterclass. Il va m'atterrir dessus, oui. Ah, je me disais bien que j'avais vu une voiture. Voilà, et heureusement que t'as un 4x4, hein, parce que tu lèves la roue quand tu passes dans les boss. Elle est magnifique ta Camaro. Yes. Bah, pour information, tu vas la revoir de la semaine parce que le swap meet, ça sera avec elle. Ah, génial. Et ça va, t'as pas donné trop de pilotes à retordre? En vrai, c'est une horreur à piloter, mais le moteur d'origine, c'est déjà horrible à piloter, donc... Ah bah là, Cassie! Ça va, il a raté qu'un round, Cassie. Comme la semaine dernière, il rate un round toutes les semaines. Apparemment, faut faire un moment musical? Pas de problème. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça se peut que ça ait un poil fort. Voilà, c'est chelou, tu vois. Viens plutôt te cacher plutôt que de nous péter les oreilles avec ton roquefort. Ouais. Est-ce que vous voulez du roquefort? Hein, quoi? Non. Est-ce que vous voulez du hard rock? Ouais. Ça s'appelle Overnight Sensation la musique. Moi personnellement j'ai pas entendu de la musique, j'ai entendu du bruit. Ça allait vraiment trop fort, ça saturait le son. Ouais, on a entendu le ventilateur quoi. Oui, ça faisait vraiment un bruit de Dyson V6. V8 peut-être même là vu le bruit. Où est-ce que tu nous sors ce bruit là, Cassie? Ah, ça s'appelle juste cul, connard. Ah non non, le spécialiste du gaz, c'est moi. Oh, fan de pied. Ah oui, ça c'est sûr. Café. Café. La putain. Pardon. Coca. La thé macchiato caramel. Non. Arrête-toi là, l'aventurier. On va attendre que Cassie rejoigne le lobby. Ouais. Alors, du coup, est-ce que je peux venir? Bien sûr. Est-ce que je peux venir dur? T'es là hein, déjà, techniquement. Non mais est-ce que le l'aventurier est assez loin? Oui. Non, je crois qu'il est toujours là où je lui ai dit de s'arrêter, hein, mais... Ah, à moins qu'il ne nous voit pas de là où il est? Je ne vous vois pas de là où vous êtes. Je vois des piétons et c'est tout. Alors si, techniquement, de là où nous sommes, tu nous vois. De là où tu es, tu ne nous vois potentiellement pas.
Faut pas confondre. Oui, aïe, aïe, aïe. C'est bon, j'ai rattrapé. Enfin, est-ce qu'il y a une master... est-ce qu'il y a de la masterclass ici? C'est possible que je sois sorti un peu large, hein, mais je l'ai rattrapé la bagnole, quoi. C'est ça qu'il fallait que je fasse, non? C'est ça qu'il fallait que je fasse, c'est ça qu'il fallait que le mec dort en français. Ouais, aïe, 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 aïe. Je suis un poil trop bas, la voiture frotte dans tous les sens, tout va bien. Bah, tu feras gaffe. T'as pris une voiture swappée, encore. Et alors, le alors, pire, c'est que pas... si moi je suis trop bas, Cassie. il va décéder, hein. Ça va, alors... ça va la colonne vertébrale? Parce que déjà, moi, la voiture, là, je me prends des coups dans le volant. Alors, là, pour le moment, moi, ma colonne, ça va. Par contre, tu feras gaffe. Parce que moi, j'ai laissé un bout de carbone du fond plat. Toi, t'as laissé un carbone. Oui, bah, le pire, c'est le carbone. Parce que si on passe dessus, on va crever un pneu. Vous me dites à la gueule quand je peux y aller? J'ai un problème technique. Oh merde. C'est-à-dire que je sais pas si tu me vois Cassie, là je suis sur deux roues en équilibre. Ah oui. Et en fait ça force sur ma direction, du coup j'arrive pas à contrebraquer. Pour me redresser. Ah c'est bon, elle a bougé, c'est bon. J'allais dire attends bouge pas, je vais te mettre une tatane. Ouais non, c'est gentil mais tatane j'ai donné. Et dès que t'es des zooms, c'est parti pour moi l'aventurier. Il y a mon volant qui bouge tout seul, mais c'est pas grave, quand la voiture sera posée dans le fond du trou, elle bougera plus. Hein. Et j'annonce aujourd'hui, il y aura pas de Porsche Airline, parce que au moins l'aventurier, il n'a pas la caïmane de la dernière fois. Pour l'instant. Pour l'instant. Par contre, il risque d'y avoir encore des suppos, parce que quand je vois la voiture de Cassie, potentiellement ça fait un beau suppos ça. Surtout en marche arrière. Surtout en marche arrière, ouais. Bah en vrai, techniquement, un suppos, il faut le mettre avec la pointe en dernier, hein. C'est dégueulasse. Donc, techniquement, t'arrives en marche avant, le support rentre dans le bon sens, quoi. De l'humour, de l'automobile, bienvenue sur la chaîne de Paddock et d'aventuriers. Ta-la-ta-ta-ta. Ta-la-ta-ta-ta. Venez comme vous êtes. Quick, nous, c'est le poulet KFC. Du bon poulet, conseillant. Burger King. Bon, on a fait tout le monde là, non? Il reste quoi, le Clucking Bell dans GTA? Mais bon, ça compte ça ou? Salut, bonsoir, heureux de vous revoir. Bah, merci Jérém. Salut! Ouais! Salut Jérém! J'aime pas l'arrière de cette caisse. Casse-toi, Jérémy! Jérém, mais vers toi, putain! Vite! Rentre là! Vite! Il est visible à 800 bornes! Discret ou je t'éjecte, Fangio. Je sais bien que tu t'appelles Fangio, mais quand même, quoi. Le mec, depuis la station spatiale, on le voit, tu sais. En plus, il est d'une discrétion, quoi. Il met des coups de gaz et klaxonne. Oh, merde. Vous êtes trouvé, les gars. Ouais, mais ça compte pas, là, t'as été aidé par une Aston Martin qui gueulait en mode... Moi, je m'attendais pas à Aston, là. Ouais, mais tu l'as vu. Là, j'imite Fangio, quoi. Donc, bon, à un moment donné, il sort du truc, il dispone au moment où tu passes, donc forcément, tu nous vois, quoi. Je me barre. Ah, bah, il s'est barré aussi, Fangio. Ah, en fait, il est venu vraiment juste pour faire chier. Oh, l'enfoiré! Parce qu'il est parti, là, vraiment, hein. Voilà, l'aventurier qui fait du saut de mouton sur les cônes. Pour changer. Ah, bon, j'ai sauté sur les cônes. J'ai même pas sorti de saut, moi. Ah, oui, bah, moi, je peux dire que je l'ai vu en mode spectateur, là. Ouais, moi aussi. Et Paddock? Je suis sûr que sur la radio là, du Zundra, l'aventurier il est là en mode je suis dans la montagne et c'est rigolo. T'as choisi ta caisse, Cassie? Alors non, parce que j'étais omnubilé en train de regarder ce couillon là. Ok, bah choisis vite une caisse comme ça. Une voiture assez plate, mine de rien. Une voiture assez plate. Elle est où? Elle est où, cette véhicule là où je suis? C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Merde. Une ambulance. C'est pas une ambulance, c'est une fourgonnette. Ambulance, c'est ça qu'est-ce qu'il faut que je fasse, non? C'est bon, je suis prêt. Sors. Oula, il y a une petite écart de perf, là. J'ai l'impression, ouais. Les cordes vocales et la colonne vertébrale. Il est où l'aventurier? Je le vois pas. Ah si, ça va, je le vois sur la carte. Je le vois sur la carte, Oh non, s'il te plaît. Oh mince. Oh non, pitié, pas cette chanson du malheur. sur la carte. Oh non. Moi, ça m'a bien aidé pour les cours d'anglais quand j'étais petit, ce dessin animé. Hein. Vous me dites si je peux y aller, les gars?
Bronzé. Yeah. C'est là que je regrette le mode drone de Forza pour voir sur la map. En vrai ? Ah bah non, t'as pas d'Xbox l'aventurier ? Non. Sinon, en vrai, ça aurait vraiment pu se faire un cache-cache sur Forza Horizon. Et maintenant, les enfants, cache-cache de 8h50. Tu proposais bien GTA la semaine dernière. La map de GTA est pire que celle de Forza. Salut les gars à côté. C'est des fans allemands, tu penses, à côté là ou... Là, ça va, il a levé le deuxième bras, mais à la base, il avait levé qu'un bras, ça fait bizarre, hein. Je savais pas que Gran Turismo était dans ce genre de politique. Ah, moi non plus. De quoi ? Non, non, rien. On va penser à autre chose, on va rester sur Gran Turismo, mais vous avez vu passer la nouvelle ou pas ? Pour ceux qui ont suivi peut-être sur la chaîne de Franky, c'est passé. Moi, je l'ai vu sur Twitter à la base, et puis j'ai vu que Franky l'avait passé. Apparemment, des équipes de Polyphony seraient en train de scanner le Twin Ring Motegi, qui a changé de nom entre-temps, mais ça, c'est un autre problème. Donc, le circuit de Motegi pourrait revenir sur Gran Turismo. La question est, sur GT7 ou sur GT9 ? Mais au moins ils sont en train de scanner le circuit quoi, c'est un bon début. Lequel ? Ah, Motegi. C'est quel tracé ça ? C'est alors il y a le petit ovale un peu bizarre là, qui était sur Gran Turismo 4 PSP GT5 GT6. Et, attention à la crêpe ! Trouvez les gars ! Oh la vache ! Heureusement que j'ai accéléré moi parce que... Hé, hey, j'ai été en douceur hein, pourtant. Ouais, en douceur, t'as vu l'engin, l'énergie cinétique, c'est pas pareil, oh. Bon, j'annonce, tu me dois un aileron, des roues, enfin une voiture, quoi. J'y suis allé en douceur, pourtant j'étais même pas en fond de première. Quelque chose de pas trop visible. Le mec, tu sais, il allait prendre quoi ? Une brique de Lego vert fluo. Pourquoi pas ? Moi, j'ai dit la vérité. Pourquoi pas, hein ? Je pense qu'on peut y aller, Cassie, hein. Tu penses qu'avec mon petit pot de yaourt là, il va croire que je suis une plante ? Yo, y a peut-être moyen, ouais. En vrai, là, je pense ici, l'aventurier il va me repérer, mais direct. Non, non, je suis pas repéré. Attends, j'ai vu Cassie partir, je te vois même plus. Ah non, ça va, si, maintenant, c'est. Enfin, c'est pas que je te vois, c'est que ta voiture étant un peu plus haute, je vois le toit, quoi. Bon, tu peux y aller direct, hein, l'aventurier, je pense. Non ! Ah, ok, bon. Minute ! D'accord ! Faut savoir, les gars! Ah, coucou Guillaume! Guillaume is back! I'll be back! Ah, j'arrive pas à drifter avec ce véhicule, c'est incroyable! Et qui le connard qui décide de drifter avec un tout droit? C'est un 4x4. Y'a moyen, hein. La vérité! La vérité, si je manque 14, hein, y'a moyen de drift avec le Tundra, hein. Surtout qu'il y a du tu sable partout ici, donc ça glisse facile. Tu peux y aller, l'aventurier? Ok! C'est ok! 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 Ok. Et en vrai, ça te rappelle pas un peu Interlagos ici, la vue qu'on a ? Oui, c'est vrai. On voit même le circuit de la semaine dernière, il est tout au fond là près de la montagne. Ce serait tellement beau que le circuit en mode lobby comme ça, qu'on puisse aller d'un circuit à l'autre. Tu sais, genre tu ouvres sur Orsif Mile et tu vas te cacher sur l'autre circuit d'à côté, Streets of Willow Spring, donc celui sur lequel on est là. Puis tu vas te cacher à Big Willow qui est encore un peu plus loin. C'est vrai que ça serait sympa d'avoir un monde ouvert. Bah, il y a quelques années, un petit monde ouvert autour de chaque circuit, ce serait génial. Ouais, mais tu sais payer en American Express en Europe aussi, je crois, maintenant, hein, sur beaucoup de banques. Non. T'as pas, c'est bon, j'ai vu que tu m'avais vu, mais faut le temps que je rentre la première et que je démarre le... C'est quoi comme moto ? Ah ouais, c'est la... American. Cheval ? C'est la Cheval SS ? Non, c'est la GTO Judge. D'ailleurs, avec pour la culture la Judge avec un kit... Il peut passer le Tundra, il est pas passé loin. En vrai, je vous ai trouvé à la fin du deuxième tour. Mais ouais, il était temps, hein. Surtout que avant même le début de ton premier tour, on était déjà là. Parce que Cassie, il était en mode non, je suis pas prêt. En fait, il était garé quand même, hein. Juste pour brouiller les pistes. Toi, t'étais en train de faire tes drifts en mode je comprends pas, j'arrive pas à drifter avec la voiture. Et nous, on te voyait en gros plan, on se dit mais il nous voit là. Alors moi, du coup, je suis Good. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait reste le tour. Reste là, bouge pas l'aventurier, bouge pas, stop. Eh bien. Le stop de Padok le plus désespéré du monde. Ah putain, t'es chiant, je voulais aller là moi. Bon ben tant pis. Bon, on est encore à deux du coup, hein. En même temps, tu veux que je me cache où avec une caisse comme ça, t'as vu le bahut ? À la limite, c'est plus gros que c'est presque plus gros que l'ambulance, le machin. Quoi ? Ah ouais, d'accord. Pas une marque. Ah ouais, d'accord. Tu peux y aller, l'aventurier. Ok. Le paddock ?
Vas-y. J'ai regardé sur internet parce qu'un de mes collègues cherchait un Ford F-150, mais la génération plutôt de 2005, un truc comme ça. Parce que c'est la seule qui a dans son budget. Hein. Ouais. Et à un moment donné, chose que j'avais pas vue depuis longtemps, il y avait un F-150 badgé Lincoln. En gros, c'était l'époque où Ford il faisait le. Ou Lincoln, pardon, badgé les pick-up Ford. Du coup, c'est trop drôle parce que tu vois, c'était un F-150. Mais avec le chrome de chez Lincoln, les jantes du Lincoln Navigator, la grosse calandre Lincoln énervée à la place de Ford, et à l'intérieur t'as du cuir et des boiseries. Là c'est sûr que pour rentrer ton fauteuil dans la benne, ça passe crème. Par contre pour aller le rechercher après, faut prévoir un truc quoi, parce que potentiellement il va partir loin le machin. Ça va partir loin. Très très loin. Trop loin. Déjà que mon Chevrolet à moi, le Suburban, l'aventurier pour lui c'est nickel chrome niveau place. Après faut réussir à monter dedans aussi hein. L'escalier, la première marche de ton marchepied, elle a quelle hauteur? J'ai pas de marchepied. Ah oui. Du coup t'as quoi? T'escalades, tu t'accroches à la poignée d'intérieur pour monter dedans? Ah oui, quand tu rentres tu fais un grand écart et tu dis adieu à tes roupettes. Bah s'il est d'origine et que tu retrouves le même sur internet, ouais maintenant si t'as mis un système lift dessus pour le relever de 15 cm de plus que ce qui est d'origine, bon. Alors non, je l'ai rabaissé de 10 cm par rapport à l'origine parce que je passais nulle part. Tu l'as rabaissé? De 10 cm mais... C'est méga ça? Oui. Moi personnellement si je redescends Mia de 10 cm, elle rentre dans le sol. Du coup ça fait bizarre de dire que là t'as rabaissé de 10 cm et que t'as encore une garde au sol de pick-up, quoi, enfin de 4x4. J'ai pris le point le plus bas du châssis. Je suis encore à 25. Non, je suis à 48 cm encore. Ah! Où est-ce qu'ils sont planqués dans des dieux? C'est la fin du deuxième tour là l'aventurier, non? Ouais. Je pensais vraiment pas que j'allais pouvoir rester caché ici. Les deux tours avec une caisse dont le capot est littéralement une brique de chrome. Bah moi j'avais vu une caisse briller et je me dis ce serait pas le paddock? Bah non, pas du tout. Cassie, tu me dis quand je dois m'arrêter hein? Ouais, t'inquiète. Tout de suite, sinon, boum. Bon, il a arrêté où l'aventure? Ah bah ça va, il s'est arrêté pile au bon endroit, c'est parfait. J'ai bien fait de dire stop à ce moment-là, moi. T'es sérieux? Bah, il est à l'autre bout du circuit, comment tu veux qu'il nous voit de là où il est? Attends, je vais me rapprocher. Non, touche à rien, reste là où t'es. C'est ce que je pense comme voiture, ouais, c'est ce que je pense comme voiture. Si tu bouges, tu verras plus la lumière du jour. Si tu essaies de bouger, tu ne bougeras plus. Ah, oh, ils sont mesquins ce soir. Sérieux. Sur ce gong, tu peux y aller. Je vais poser un petit like sur le live de l'aventurier. Je vous invite à faire la même chose sur ma vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas vu le live de l'aventurier pendant le direct, sur le live de l'aventurier. Ah, j'ai démoli tous les cônes ici. Ah non, pas tous. Allez hop, on pète tout ça. Si, il était déjà mort, mais il était tombé debout. Par... Et merde. Alors, allons dans la terre. C'est fait pour ça. Hé, hey, Paddock, on s'en rappelle de ça la semaine dernière? Ouais, hein. Turbo. Alors, différentiel, Fultech, compresseur. Ah, c'est quoi ça? Café. Café. Non, c'est l'inverse, c'est beurre café. Pas l'inverse de l'opposé, du contraire du... Hein? Bon. Avec les Simpsons, café. Coca. The Simpsons. Et le pire, c'est j'ai pensé à prendre une caisse avec des pop-up. J'aurais su que tu prenais ce toit là, j'aurais pris des pop-up. Pop-up and down headlights. Refais une fois. Pop-up. C'est pas réaliste, ouais, polyphonie. Ouais. Sur ces vraies voitures-là, le pop-up de droit se lève une fraction de seconde avant le gauche, parce que les tuyaux font pas la même longueur sur la dépression. C'est vrai. Bah oui, bien sûr, c'est vrai. Mais même dans CSR2, qui est un jeu sur téléphone, on le rappelle, c'est réaliste. Là, non. En vrai, ça serait tellement marrant qu'il y ait un clin d'œil par-ci par-là sur certains circuits à des univers de manga ou de culture pop. C'est genre une vieille DeLorean pourrie sur Willow Springs, des gens dans le public qui font des fusions, des Kamehameha, des trucs comme ça au Japon. Ben déjà que sur certains circuits, tu vois quoi, des personnages en marinière avec un béret et une baguette sous le bras à Alsace Village. Ben surtout que je sais plus sur quel circuit, je crois que c'est celui en Australie, tu vois comment ça fait une soucoupe volante chauffer une vache. En plus. Ouais, j'ai remarqué ça.
Et il y a même un circuit où tu vois la fusée décoller. Ouais, Daytona. Ah oui, c'est vrai. Par contre, il faudrait tester une fois si de nuit ça le fait aussi. Parce que de nuit, avec l'éclairage et les étoiles, ça doit être vachement beau en vrai. La fusée décolle. Bah, venez, on regarde après ça. Ça peut être sympa. Ouais, mais je sais pas si ça marche en multi ou pas. Mais faut essayer. On ira sur Daytona quand l'aventurier nous aura trouvé. De toute façon, il y a encore des cachettes après celle-ci, Cassie. Tu te souviens? Parce qu'en vrai, les trois premières cachettes, il nous a grillé tout de suite. Ben, je crois qu'il nous a. Je crois qu'il y en a d'autres plus là où il est passé, mais s'il passe comme il est passé, il va nous cramer de suite. Et au passage, il va nous faire une crêpe. Oui. Faudra tester ça aussi d'ailleurs. On en parlait avec l'aventurier ce matin. Se remettre sur le circuit d'il y a deux semaines, où j'étais avec la Mangusta Dior. Oui. Et la Porsche. On se met à deux l'un derrière l'autre, comme ça s'il en rate un avec un peu de chance, il va prendre l'autre, pour voir si en cas de collision, est-ce qu'il reste au-dessus et qu'il est respawn parce que le jeu détecte qu'il est bloqué? Est-ce qu'il glisse et qu'il retombe à côté? Alors là. Ou est-ce qu'il reste bêtement au-dessus, bloqué comme un idiot? Parce qu'en vrai, si ça tombe, j'aurais pas avancé de 10 mètres avant qu'il arrive. Il me tombait dessus. Si ça tombe, le jeu considérait qu'il était bloqué, il se faisait respawn, il me voyait pas. Et là, ça aurait été tellement beau. Bon, je termine mon deuxième tour, les gars, parce que je vous ai pas trouvé. Bon, vous avez trouvé une deuxième masterclass. Ouais, le pire, c'est que de base, là, la cachette tournée, c'est la pire cachette du circuit. Je pensais vraiment pas que c'était ça, la masterclass. Hein. Pour moi, la masterclass, elle était 25 mètres derrière à droite. Hein. Mais comme dit un grand homme, plus c'est gros, plus ça passe. Pop up, up and down headlights. Bah tiens, tu me diras ce que t'en penses du coup de celle-là. Putain, il s'est viandé juste devant. Ah, c'est plus sobre que la version que j'ai fait moi. Hein. Attends, t'as pas vu les jantes encore. Non, mais en peinture, t'es plus sobre. Hein, Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Heureusement que je peux couper le moteur sur ça. Bah en vrai, c'est... Si tu regardes des magazines genre American Muscle Cars and Hot Rods, qui fait partie du même groupe que Nitro, bah c'est le genre de config qu'on retrouve. Hein. Bah dis-toi que cette config là, avec ce style de jante, cette peinture et comme ça là, même sur Forza, elle est comme ça la mienne. Oui, bah écoute, c'est du Pro Touring quoi. Sauf qu'une vraie Pro Touring, t'aurais un kit plus large encore que ça, mais ça c'est Gran Turismo qui a pas fait des kits larges. Voilà, je suis prêt. Tu peux y aller l'aventurier. Hein. Ok. Ah, tout doux. Là pour le moment, quand j'ai le temps, c'est tournage de swap meet, tournage de swap meet, tournage de swap meet, et puis après je me dis, bon, faut peut-être que je fasse un peu de montage de swap meet parce que mon PC va exploser. Puis entre temps, il y a des Nations Cup et des Manufacturers, ou bien des Toyota Gazoo Racing Cup et des Daily, et je gagne, et je me dis, putain, ça fait encore des montages en plus, pourquoi j'ai gagné cette course? J'aurais dû freiner, laisser passer le deuxième, pour qu'il gagne, comme ça j'ai pas de montage à faire. C'est un peu de ta pote aussi, hein? En même temps, j'ai la possibilité de gagner, je vais pas laisser la victoire à un autre. Des sous. Ouais, et puis même, c'est bon pour l'ego, quoi. Vous avez gagné la potion d'autosatisfaction, vous pouvez maintenant vous la péter comme un gros connard. Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas. Les affaires marchent en ce moment. Bon, premier tour terminé, les gars. Ok. Plo Koon. Encore un tour. Je suis allé moins loin. Bon, mais qui aurait cru que la masterclass, c'était ça? N'est-ce pas? C'est pas encore fini, les gars. Il reste encore un tour. Hein. Oui, mais enfin, malgré tout... Je me dépêche, vous savez. Quoi? Non, mais on te voit sur le live faire des sauts dans certains endroits, c'est tellement drôle. Oh, c'est Paris-Dakar, le bordel. Bah ouais, c'est fun. En vrai, je me demande si le circuit que l'aventurier fait, il est pas plus fun que le circuit en bitume. Ah, mais de ouf. Je vais tenter un truc après, à la prochaine. Je vais tenter un truc à la prochaine. Vas-y. Polyphonie, mettez un éditeur de circuit, la compte de vous. Et si possible qu'on ait la possibilité de choisir la surface, mais pas pour tout le circuit, qu'on puisse choisir pour le secteur, quoi. Comme sur Barcelona RX, où t'as terre, asphalte. Deuxième tour terminé, les gars. Youhou. Mais je suis sûr que je suis passé devant vous plusieurs fois. En fait, à chaque tour, tu passes à côté de nous, hein. C'est le principe, hein. Sérieux? Bah, tu fais le tour complet, donc j'ai fait me tromper de bouton, là, au lieu de dispawn les caisses, j'ai failli faire quitter. Il allait faire tout noir. Et là, ça aurait fait genre... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, je réalise que, Dieu merci, l'aventurier, il a capté qu'il fallait retirer la TH. Bah, en même temps, là, s'il nous trouve pas... s'il nous trouve pas alors qu'il a la TH qui est activée depuis tout à l'heure... Il est où, Cassie? Ah, ok, c'est bon. Je
t'avais perdu. T'as pris quoi comme moto? De la bonne grosse allemande. Ah ouais, donc c'est ce que je pense. Je m'appelle Bond. James Bond. Exactement, monsieur. Ok, c'est ça, c'est la Mercedes. LOL. On sait très bien que Bond n'a jamais roulé en Mercedes. Bah, c'est pour ça que je dis ça, hein. C'est comme ça je donne des indices qui n'en sont clairement pas. Bah, lynx, le lynx. LOL et LOL et LOL et LOL et LOL et LOL et LOL. Et moi, je vois qu'une seule voiture susceptible d'être allemande. Une BM. J'ai juste une question à poser à Cassie. T'en penses quoi de ma planque? Peut-être masterclass ou pas du tout? Un peu trop 4 9 bus à mon goût, là. Bof. En vrai, moi je dis, à moyen, ça passe. Vas-y, vas-y. Il y a deux, en fait, il y a deux cas de figure, en fait. Soit ça passe crème et c'est une masterclass au-dessus de la masterclass. J'en peux déjà plus. Ça y est, il est mort de rire. Soit je suis repéré en 2-2 et ce sera clair. On verra. Bah là déjà... On va commencer en douceur. Tranquille, la tranquille. La douceur selon l'aventurier. Bon. La douceur de l'aventurier. Je me demande s'ils sont pas là. Ratatatata, poum. Oh bon, t'es gracieux, quelqu'un me tue. On va faire la méthode du off-road. Bon, moi j'ai une vue différente sur cette manche. Donc quand j'étais avec la Jeep, donc juste avant que vous nous rejoigniez, Cassie et Raon, à un moment donné, je me retourne puisque l'aventurier passe derrière moi pour voir si je le vois ou pas. Bon, en l'occurrence, je l'ai pas vu, mais bon, ça c'est autre chose. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai pas la tête sur les épaules. Bon, bah du coup, c'est Captain Obvious, apparemment, il m'a vu. Ah bah là, c'était... Là, là c'était flagrant. Non, mais j'ai voulu essayer parce que je me dis, vu que depuis tout à l'heure, tu passes à chaque fois le long derrière, je me dis, mais si ça tombe, peut-être que si je passe sur le bitume, que je reste au milieu du bitume, ça va passer. Oui, surtout voilà, que là, en plus... Quand, avant que tu démarres ton tour, quand t'as été de l'épingle jusqu'au départ, tu me voyais normalement déjà. Attends, moi je t'avais pas vu. Où tu vas? Bah, je t'attends là, c'est pas la peine que je fasse le grand tour. T'as une idée où il est Cassie ou pas du tout? Bah oui, j'ai une idée dans la planque dans laquelle on est depuis tout à l'heure, mais bon, je vais pas te dire c'est où, hein. Vendu. Il l'a pas dit. Non, je sais, je me prépare au cas où s'il le dit. En vrai, t'as repéré quoi, la voiture ou... Enfin, j'aurais pris une caisse d'une autre couleur, ça passait peut-être crème. J'avais vu la voiture de loin. C'est parce que c'est une DeLorean. Mais on me rentre pas dedans, je t'attends juste. J'ai pas passé loin, j'ai entendu mon pare-choc grincer. Pas que. Il y a pas aussi ton derrière qui a serré les fesses. On expire par l'anus. Ah bon, t'es une tortue. Alors comme ça, tu sais lasser tes chaussures. Oui. Bon, premier tour terminé. On a trouvé le paddock. Au suivant maintenant. Enemy spot. Eh, c'est pas normal que la dame me double aussi facilement. Elle est pas swappée, mais elle est préparée. Oula, je suis un peu large. Ben, on peut pas la swapper, je crois, non? Si, si, si. Ah bon? Ah bah tu peux faire un épisode swap dessus, s'il te plaît. Ça a déjà été demandé. Ça a été demandé par un abonné, ça arrive. Ça va pas mettre ça. Bon. Eh bah si t'es pas content, t'as qu'à aller faire toi-même du gland. Tu vas où l'aventurier? Trouvé. Aouh. Ah bah vite. Oh attends. Qu'est-ce qui branle ces deux couillons? Mets-toi vraiment en face de moi. Pas décalé. Faut que ce soit vraiment pile aligné. La miniature. C'est marrant non, parce c'est que. La miniature. Eh, c'est marrant parce que. Tu as le col qui. Ah oui, qui rentre dans le capot. Qu'est-ce que tu es en train de foutre? Léger droite. Mais en fait, vu qu'il y a une bosse, je vais mettre la DeLorean dans le trou et l'aventurier va sauter au-dessus du trou pour voir s'il m'éclate, s'il respawn, s'il glisse au-dessus de moi. Ah. On est sur un circuit qui permet de le tester, donc je teste. La team Yop les Pilotes vous présente une nouvelle émission. Les trucs les plus cons de Gran Turismo. Ça va être tellement beau en VR de voir l'aventurier qui me saute dessus. Ne sortez pas cette phrase de son contexte, merci. Vas-y l'aventurier, à fond. Let's go motherfucker. Ah merde, un peu décalé. Je peux essayer? Ouais, vas-y. Alors attends, on va prendre le Raptor Airline. Vas-y, Cassie, je te laisse essayer d'abord.
un peu décalé, j'ai l'impression. Ouais. Wow. Ah, il était passé au-dessus, il m'a même pas touché. Ouais, un peu décalé aussi, donc faut que je me décale. Vous partez tous les deux un peu sur le côté. Ah, l'aventurier, il avait la bonne vitesse, mais j'étais un peu trop sur le côté. Reprenez pile la même trajectoire, je me décale là où vous avez atterri à chaque fois. Enfin, là où l'aventurier atterrit, parce que Cassie, t'as atterri 3 km après, bon. Les viewers, ils vont dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Je n'ai rien senti, mais visuellement, j'ai eu l'impression que ton pneu touchait mon toit. Donc on va demander à l'hélicoptère s'il y a du caoutchouc sur mon aluminium, mon inox, pardon. Oh, le bougre de cochon. Merde. Pas assez de vitesse. Yahoo! Bah là, je suis plus là, l'aventurier, c'est pas la peine de venir. Ah merde! Je l'ai envoyé à Pétaouchnok. Ça va, merci! Il y a un témoin de frein à main sur toi. Ah oui, c'est bon, il est serré. Ah! Mais j'ai remis les coups le droit! Ah oui! Go, go, go! Power Ranger! Merde! J'ai l'impression que tu me passes à travers en fait, Cassie. C'est bien aussi en fait. Ah merde! Service après les ventes des émissions. Et merde. Pas assez de vitesse. Toi en fait, c'est trop ouais. Ou pas assez, toi. C'est... Pardon, café. Café. T'es où? T'es là. Ouf. Tu me passes à travers, littéralement. Là, j'ai eu ton pneu dans ma bagnole. Mon pare-choc avant est défoncé, par contre. Moi aussi. Bien, c'est qui? Oh. Là, je suis dessus. Là, je suis dessus. Attention, j'arrive. Ah, les deux en même temps. Sandwich. Ouf. Aïe. Attention, impact de Toundra dans 3, 2, 1, kaboom! Wow! Il est passé au-dessus! Attention, j'arrive! Guillaume est revenu? Dans le chat? J'en sais rien. Oh merde! Attention! T'es où? Aïe! Ouf. Ça, c'était ma nuque! Attention, j'arrive! Ouais, j'ai pas le temps de reculer, le moteur est calé. Fonce, 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 fonce! Catapulté! Attention, je suis là! Et ce qui est bien, c'est que maintenant j'ai les traces de pneus. Ouf. Ah, bah là, tu m'es vraiment passé à travers la cabine, quoi. Mais vraiment sur tout le long, quoi. Je t'ai vu passer à travers mon rétro, mes montants de pare-brise, mes pare-soleil. Y'en a un qui veut prendre ma place après? Que j'essaye en mode. Je vous passe au-dessus? Là, le cache-cache, ça s'est transformé en soit mouton. Oh le con! Trop loin. Par contre, on peut parler que j'ai un problème de moteur. C'est un volet. Et je suis qu'en première là. En plus. Je vais faire une aventurier, moi je vais passer par là. Ah là, c'était tellement réussi, t'es vraiment arrivé pile au milieu du toit avec ton pare-buffle. Moi sur mon écran, la mangousta, ben il y a eu plus d'amortisseurs, disons-le. Hein. Mais surtout. Oh, wheeling, wheeling. Le jeu. Oh joli. Dès que le jeu a capté que ben il y avait une voiture sur une voiture, chose qui n'est pas prévue pour, ben il a décalé le Toundra de l'aventurier sur la gauche. Oui, oui, oui. Donc ça répond à notre question. Oui. J'ai répondu. En fait, j'ai décollé sur la Mangusta. On n'a pas dit qu'on irait voir si la fusée se lançait de nuit sur le circuit. Oui. Ben let's go, hein. Oui.